Sharla Carter, Ludivine Aubour et Nicolas Waldorf font toujours de leur relooking un moment de franche rigolade et de bonne humeur pour chacun de leurs clients. Si les raisons qui poussent les candidats à se négliger sont nombreuses, l'histoire personnelle que leur a livrée Rachida ce jeudi 5 août dans Incroyable Transformation les a cloués sur place. Vêtue entièrement de noir, la jeune femme de 35 ans s'est installée face à eux pour le traditionnel entretien et bilan avant de débuter les étapes de la transformation. Mais contrairement à des classiques histoires de séparation ou de deuil comme les écoute souvent Sharla Carter, Ludivine Aubour et Nicolas Waldorf, Rachida avait une autre bien triste histoire à leur raconter, « J'ai un passé hyper lourd ». Un mariage arrangé déjà à la base à 17 ans, a-t-elle lancé, prudente, en observant les réactions des trois personnes qu'elle avait en face d'elle. Évidemment, cette première phrase n'a pas manqué de laisser le trio bouche bée. Après avoir assimilé l'information, Sharla Carter, Ludivine Aubour et Nicolas Waldorf ont commencé à lui poser des questions pour en connaître un peu plus sur les circonstances de cette horrible période de sa vie. Rachida a ainsi pu leur dire qu'elle ne connaissait pas son mari, qu'elle était restée mariée 6 ans et qu'elle avait réussi à y échapper en partant à l'étranger. Si la maman de 4 enfants a laissé penser à une fin heureuse, il n'en est finalement rien. Divorcée, Rachida a épousé un autre homme dont elle n'était pas amoureuse, pour échapper à la pression de sa famille, « J'avais besoin de me sentir en sécurité. J'ai fait le pas avec quelqu'un que je ne connaissais pas forcément à ce moment-là. C'était un peu pour ma protection personnelle puis ça a mal tourné. Ce lourd passé. » Rachida a voulu le mettre derrière elle pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. Et on espère que seul le bonheur viendra en remplir les pages.